Mais ça fait plusieurs années qu'on fait les cliniques pour les femmes. Puis je pense que c'est important de pouvoir encourager les femmes à s'améliorer. Une journée dans les cliniques, c'est vraiment formidable. On a des cliniques, on parle de techniques, mais on parle aussi de stratégie. Puis tout ce qu'on apprend pendant les cliniques, pendant les 3 heures et demie, mais après ça, on s'en va sur le terrain, puis on le met en application. Alors des fois, on prend des cours, puis quand on arrive sur le terrain, on ne sait pas comment faire les adaptations. Alors nous autres, on les accompagne, on les coach sur le terrain. Alors les femmes aiment beaucoup ça. Après, on passe la soirée avec eux autres pour échanger, répondre à leurs questions. J'ai ma 3e saison, c'est ma première clinique comme ça de Golf Québec. Je suis agréablement surprise. Je trouve qu'il y a beaucoup de participantes, la qualité aussi des gens qui donnent des ateliers, ils rendent ça accessible. Je trouve que les pédagogues aussi, il y a un côté pédagogue qui est intéressant. C'est facile à mettre en pratique. Et ce que j'aime surtout, c'est qu'à chacun des ateliers, bien, on nous corrige tout de suite sur ce qu'on fait de moins bien, mais surtout on met de l'emphase sur ce qu'on fait bien. Fait qu'il y a beaucoup d'encouragement aussi. Moi, j'encourage les femmes à jouer au golf. C'est vraiment se mettre en forme, puis je pensais pas aimer ça autant, honnêtement. Je crois que des cliniques comme ça, ça l'aide beaucoup parce que les femmes, tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui ne jouent pas au golf, puis ils pensent que mon Dieu, tu joues au golf, c'est dur, mais pas du tout. C'est vraiment d'avoir des leçons. De prendre des leçons, c'est numéro un, moi, je vais dire, parce qu'un coup, t'es capable de jouer, parce que quand tu sais pas jouer, tu penses que c'est plate, t'aimes pas ça, 4 heures de temps sur un terrain de golf, mais un coup tu prends des leçons puis t'es capable de bien jouer, c'est vraiment le fun, puis tu veux toujours jouer, moi je veux toujours jouer. C'est au-delà de juste l'enseignement, parce que il y a des femmes qui reviennent année après année, qui sont devenues des amies, qui m'écrivent puis me posent des questions, ils font des voyages de golf avec moi quand j'organise des voyages de golf. Alors l'important, c'est de créer cette base d'amitié entre les femmes pour les encourager à jouer au golf, à s'améliorer, mais aussi à amener d'autres femmes au golf. Moi, j'aime beaucoup le côté social. Je trouve que c'est un sport, se mettre en forme en même temps. On peut marcher, la belle température. J'ai fait des belles rencontres. C'est accessible et que ça nous permet de faire de l'activité physique, de bouger, de marcher, de faire des rencontres, de socialiser et tout en pratiquant un sport qui est vraiment de plus en plus agréable, plus on s'améliore. C'est important que les femmes se sentent à l'aise dans une atmosphère de confiance s'ils veulent s'améliorer puis apprendre davantage. C'est le plus beau sport au monde. Alors, il faut jouer au golf. Puis je voudrais avoir de plus en plus de femmes de jouer au golf. Quand on est plus jeune, quand on est jeunes enfants, malheureusement, le golf s'en prend plus de temps. Alors, les femmes devraient commencer par prendre des cours, commencer juste par frapper des balles dans le champ de pratique, éventuellement commencer à jouer des 9 trous. Alors, s'ils commencent à vouloir jouer des 18 trous tout de suite, c'est long. Puis ça demande beaucoup d'énergie. Alors, commencez à faire des petits pas pour tomber en amour avec le sport, pour après, plus tard, investir plus de temps.